suis de retour pour plus de Monster Hunter 3U. Aujourd'hui, on essaye de survivre et vu que j'étais écœuré de me faire dire « Joe va te massacrer, Joe blabla, blablabla, que tout le monde exagère le Joe, je me suis dit « On va aller le faire tout de suite pour me débarrasser de tout le monde qui arrête pas de me dire que Joe est quelqu'un. » C'est ma fiancée, ok? Arrêtez de parler de elle ou de lui. Donc, non. On va faire ça. On a la corne de chasse que j'ai déjà utilisée dans d'autres vidéos, ça a bien l'air. Fait qu'on peut pas se bloquer en part de ça. Je me suis apporté une Max Potion, qui est une potion secrète en français. Pourquoi pas une potion Max en français? Je le sais pas! Pourquoi ils ont marqué supprimer des objets dans le coffre? Je le sais pas plus! Mais enfin bref, j'ai une potion... c'est ça, j'ai l'intention de faire ça un petit peu plus... Comment dirais-je? Hey, aussi, je suis dans mon salon en ce moment, mon petit salon. J'avais dit que je me suis acheté ma TV. C'est une petite TV, 19 pouces, rien là. Un petit peu plus grand que mon écran de laptop. Mais c'est parfait pour mettre juste à côté. Puis, justement, tout pouvoir faire en claquant des doigts. C'est parfait, j'adore ça. Bon, mais bref, on a 3 morts. J'ai l'intention d'utiliser mes 2 premières pour être plus agressif contre le Joe. Et plus prendre de risques. Et quand que, parce que je prévois mourir 2 fois, oui, c'est comme ça que je marche. Et vu que je suis habitué aussi avec l'armure, ça, cette attaque-là de hip check est pas si dur que ça à faire. Mais le Joe est loin d'être aussi dur que d'autres monstres sans armure, parce que sans armure, tous les monstres frappent fort. C'est ça que j'avais marqué dans les commentaires dans l'autre. Tandis que le Joe, je pense que même là, en high rank, de même, il peut même pas nous one-shotter avec... peut-être avec son souffle de dragon qui peut nous one-shotter, je le sais pas. Mavin et Biff, on booste. En plus, avec une corde de chasse, on peut se booster, mais notre défense, elle se booste pas plus que ça. Mais on va se booster quand même la défense, parce que why not? Peut-être que ça va nous économiser une herbe au bout de la ligne, fait que good. J'ai pas vraiment l'intention, mais... En fond, dans les essayants de survivre, j'essaye pas vraiment de briser les parties d'un monstre, mais j'essayerai pas de le KOer non plus, parce que rester dans sa face, c'est plus risqué que de rester entre ses jambes puis de regarder sa queue. Never mind. Je parlais de sa queue, pas de son autre queue. Voyons donc, qu'est-ce que je dis là? Ma baby, tous ces coups nous massacrent assez. Et je me suis apporté de la viande aussi, au cas où vous auriez pas remarqué, pour qu'il aille justement manger ça. Yeah, il va manger tout de suite, es-tu pas gentil, rien qu'un peu. Ah non, je l'ai interrompu pendant que manger. Ah, j'espère juste que ça va pas me gâcher, puis qu'il va y retourner après. C'est tellement parfait, parce que ça me donnerait plein de coups gratuits. Yeah, c'est pour la chance. Mais c'est la corne de chasse high rank aussi. Fait que yes pour la corne de chasse high rank. J'avais d'autres choses à dire, je l'ai oublié. Oh! Ouais! Le Devil Joe! Les autres monstres frappent fort. Aussi, il y en a d'autres qui vont être plus... Les monstres rapides, mais qui frappaient pas fort normalement, deviennent extrêmement plus menaçants quand on n'a pas d'armure. Parce qu'ils frappent pas mal fort, puis ils sont rapides. Tandis qu'un Joe, il est pas vraiment rapide, puis c'est la majorité de ses attaques qui sont faciles à éviter, mais ça change pas le fait qu'il est dur quand même, qu'on va se faire massacrer probablement. Mais je veux juste m'en débarrasser. Je penserais réussir, ça va me prendre du temps, mais là, parti comme c'est parti, on est bien parti. Je trouve, on n'est pas dans le schnapp, il fait les bonnes attaques, et tout est good, même s'il vient de me manger le cul. Je sais que tu m'aimes, mon cher, ma chère, I don't know, hein. Mais comme je dis avec ma superbe TV, c'est tellement... Ah, ça, j'ai comme ma chaise hyper confortable à côté. Et là, pourquoi je suis pas assis sur ma chaise super confortable? Parce que je suis pas à hauteur de mon micro. Ça fait que le son faudrait plus écho. Parce que quand même, mon petit salon, il y a de l'écho encore dedans. Et je ferais mieux de prendre des méga potions. Je l'avais dit que j'avais aimé. Oui, oui, j'avais dit ça tantôt. Mais on va essayer de... Ah, c'est salaud! Salaud, Devil Joe! De m'interrompre pendant que je fais ça. Hop, tu te mets en mode rage, ça sert à rien. J'ai essayé de prendre une potion quand même, mais on sait jamais, peut-être que ça aurait pu marcher, non? Mais bif, comme je l'ai dit, je penserais mourir 2 fois, puis au pire, je me prendrais une mort si c'est pas pour gaspiller mes potions, parce que faut quand même prendre ça. C'est sûr que je pourrais apporter du miel et tout ça, mais j'ai même plus de miel, va falloir que j'aille en foutre dans la ferme. God fucking Jesus, damn it! Merci pour le petit coup gratuit qui m'a absolument servi à rien, mon cher. Mais... comme vous pouvez voir aussi, j'avais dit que je suivrais la liste, puis là je fais le Devil Joe. Mais c'est seulement parce que tout le monde est... Oh! C'était pas très intelligent d'essayer d'augmenter ma vitesse là, mais c'est pas grave! Il nous a
massacrer là. On en a déjà notre première mort, ce qui n'est pas très bien. Ça, tous mes coups gratuits, ben, mes coups agressifs sont gaspillés. Mais c'est pas grave, on a encore deux autres, ben, une autre mort qu'on peut gaspiller, j'ose croire. Potion ancestrale, on ne mourra pas, on n'échouera pas la quête, ok? C'est parce que j'ai été imprudent, j'ai fait le stupide là-dessus, je me suis... J'ai fait la chanson au mauvais moment, comme de chasse, je te blâme. Et non, ma stupidité, voyons donc, ce n'est jamais ma stupidité. Oh, bonjour Calvi qui fait des coups de tête. J'adore comment ils font des coups de tête, font comme, non, pas lui, non, pas ce salaud-là, il se promène encore nu. Enfin, on n'est pas nu, on est en short. En fait, je devrais... Ah, puis il fait plus frais ici en part de tout ça. Mais mon ordi surchauffe quand même, mon ordi surchauffe tout le temps. Hey, faudrait que je l'ouvre au complet pour laver mon fan, goddammit. Faut que je me jette une cochonnerie aussi pour laver le superbe fan. En tout cas, augmentons notre vitesse et augmentons notre attaque. Et merci, Chacha. Hey, Chacha et Kayamba sont vraiment plus utiles, si on veut. Surtout Kayamba avec sa superbe dent. Je l'ai déjà dit, mais je la redis. C'est bien de... écouter, d'être attentif à Kayamba quand il danse, ça peut éviter de prendre une méga potion parce qu'il va faire récupération de vie. Ben, bon Kayamba, parce que c'est à lui que j'ai mis cette danse-là. C'est le fun aussi quand Chachas décide de faire attaque plus 3, il fait rarement. Le salaud! Le salaud. Oh, pauvre Aptonov, comment oses tu être mort? Et il est parti, c'est bien là. Et lui, il s'en va vers le David Joe. T'es pas intelligent, Aptonov. Vraiment pas. Mais c'est pas grave, tiens, tu veux-tu manger la belle viande mauve? Qui voudrait pas manger la belle viande mauve? Certainement moi! Oh, moi? La viande mauve? Pas très intéressant la viande mauve. Merci pour les petits coups avec ta grosse queue. Même ses coups de pattes, ça bien. Même quand il tourne, ses pattes font pas vraiment de dommages. Et il tombe souvent, ça vient là. J'ai remarqué ça, mais ça me tombe plus souvent dans Triou qui tombait dans Tri, le Devil Joe, et dans Peter ou tout. Ben dans Peter, je me rappelle pas trop. Il semble qu'il tombait pas vraiment. C'est peut-être parce que j'utilisais quoi dans Peter là? J'utilisais la flûte de chasse pourtant. Ouais les gars, faut peut-être croire que je me concentrais sur sa face. Mais dans Trio, il tombe plus souvent, les gars. J'ai remarqué, il semble. Avec les doubles. Ah, c'est vrai que je l'ai massacré avec les doubles épées le trois quarts du temps. Ok, ça explique pourquoi il tombait tout le temps. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Avec la flûte de chasse aussi, il tombe. Et j'utilise la grande épée aussi. Je sais plus si je l'avais utilisée dans une autre vidéo. La grande épée avec le poison. Moi, je pense que oui, de le Royal Oda. Je l'utilise. Je me suis mis à l'utiliser. Puis là, je m'améliore un petit peu avec aussi. Ce qui est good. Ce qui est good. Mais ouais, des fois, je fais des stupidités. Ben, j'en fais tout le temps des stupidités. Fait, hein? Et si tu pensais me sauter. Hey, je me suis pas apporté des bombes de booze. Oh my schnapp. C'est ça que j'ai oublié. Fait, faut pas que je me fasse manger parce que je risque de me faire manger à mort. Ou peut-être me faire embrasser à mort. Excusez-moi, fallait que je dise embrasser à mort. On va essayer de moins paniquer quand ils nous attaquent. C'est mon objectif. On va faire comme si rien ne se passait pendant cette vidéo-là. Non, il se passe... Oh, ta belle bave. Ok, non, il se passe rien. Il se passe absolument rien. Et pauvre Kelby, il vient de massacrer 3 Kelby en one shot. Et il est tombé encore. Ça, je disais, il tombe tout le temps. God damn it. Merci pour les coups gratuits en passant. Oh, coup critique, c'était-tu parfait. Ça, rien que tout petit peu. Fait encore un échelon de survie, c'est pas la suite de la LP. Mais là, je peux enregistrer les vidéos de Trio, ça vient l'heure. Mais faut quand même que je me rende à l'autre maison pour uploader mes vidéos. Fait que good, ils sacquent son cœur déjà. Ah non, ça va manger ma viande, yes! C'est good, oh, puis défense. Puis il est encore tombé, puis il est empoisonné. C'est-tu pas perfect ça, juste quand il fallait, hein, que je l'ai fait tomber. Fait que good! Mais c'est ça, faut que je m'en aille à l'autre maison tantôt, après que la vidéo s'est produite ici. Et là, on n'est pas en écho, fait que tant mieux, petit salon. Et j'ai Notch, avec le petit ours, qui sont sur le côté. Eh ben, il va falloir que je fasse une vidéo mise à jour à un moment donné. Vous allez voir la pièce que je suis dedans dans la prochaine vidéo mise à jour. Parce que c'est différent, malgré que l'éclairage est pareil. Maudit éclairage. J'ai le soleil dans le dos. Maudit soleil. En bref, pourquoi je parle de ça? J'en ai aucune espèce d'idée. On est en train de se battre contre un Joe, puis il est en mode rage. On est supposé d'avoir peur. Mais non, God vient me donner un coup de patte. Mais on marche en dessous de lui. C'est bon parce que quand que. Ça, c'est facile. C'est ça que je voulais dire, que c'est facile de passer entre. Vous visez son entrejambe quand il fait cette attaque-là, ou vu que c'est tellement facile, si vous êtes en plein milieu de son attaque, vous allez entre ses jambes pour rouler. Le trois quarts du temps, vous allez être capable de le faire, mais c'est pas toujours possible. Évidemment, vous allez vous faire massacrer. Entre ses jambes, je pense que vous avez même pas besoin de l'éviter, puis ça passe. Maudit coup de pied de schnapps. Aussi, comme je l'ai dit, c'est facile et quand il fait cette attaque-là, il va se tasser avant de la faire. Fait que c'est assez évident de savoir. La majorité des attaques de Joe, yeah, comme là, il va la refaire, c'est assez facile de le savoir. C'est pour ça qu'il est pas si dur que ça. Quand on s'est battu contre lui plusieurs fois,
on va se faire massacrer quand même parce qu'il frappe fort justement. C'est parce que ses attaques sont faciles à éviter et tout le kit. Bon, c'est ça que je veux dire. Mais la raison pourquoi je fais cette vidéo-là, c'est parce que tout le monde exagère la difficulté du Joe, j'ose croire. Je sais pas pourquoi dans le tri, tout le monde était comme « Ah, Joe! » Mais je sais pourquoi en fait. C'est parce que Joe, la première fois que tu le vois, t'as pas une grosse armure. T'es genre au départ de des kites I-Rank ou G-Rank, whatever. Ben, ça va être Joe. Ouais, ils l'ont pas vraiment foutu, ça va être Joe. Je l'ai vu une fois, mais c'est à cause de la quête Event avec le Kurupeko dedans. Et autant profiter du lit quand on est à côté à place de gaspiller nos potions. Nice, pas? En tout cas, c'est qu'est-ce que je pense qui est intelligent. Superbe. Et je peux utiliser des écouteurs avec ma TV maintenant aussi. Ben, je pouvais avec l'autre, sauf que j'avais pas un fil assez long. Ou j'étais juste à lâche. Un ou l'autre. Mais là, maintenant, c'est juste à côté, comme d'habitude. J'ai comme le pas parfait pour la lâcheté. Mais en tout cas, qu'est-ce que je disais, c'est... Quand tu te rencontres la première fois, t'as pas une grosse armure, puis tu te fais massacrer assez facilement. C'est quasiment comme si t'étais nu, justement, que tu te bats contre lui la première fois, à cause que de Kurupeko qui le colle. Fait que ça peut paraître intimidant. Mais quand t'as l'armure pis l'arme nécessaire, est bien facile, le Joe, il est loin d'être aussi intense que tout le monde le fait paraître. Y'a des mobs boss que je trouve bien plus durs que ça. Vélocidrome, non, c'est pas vrai. Le maudit King Chocolat. Oh god, que je le hais, lui, ça a pas de bon sens. Je sais pas pourquoi je me fais autant massacrer, mais allez, je me fais autant massacrer par le King Chocolat. Une chance qu'on l'a pas à se battre contre lui. Nu, jamais. Ah non, plus je viens de donner des idées à du monde. Faire, essayons. Oh god! Je vais le dire tout de suite avant de me faire poser des questions. Essayons de survivre nu dans Monster Hunter Freedom Unite. Non, peut-être. Ok, je l'avoue, peut-être que je vais le faire à un moment donné. God damn it. Parce que là, je viens de me donner l'idée avec King Chakalaka, mon pire ennemi. Mon fucking pire ennemi. En fait, mon pire ennemi, c'est Beru Kyorosu. Les gars, je l'ai vraiment mal dit son nom. Beru Kyorosu. Bon, ok. The Frontier, oui. Ben, c'est pas vraiment mon pire ennemi, c'est plus à cause de la première fois que je me suis battu contre, je me suis fait massacrer comme ça, pas de bon sens. Mais ça, c'est une autre chose! Je me fais toujours massacrer comme ça, pas de bon sens non plus. Bon, les gars, Joe, la bataille risque d'être longue, mon cher, et j'ai comme essayé de un petit peu éviter, sauf que ça a pas marché, mon affaire. Oups! Pas grave. J'ai quasiment le goût d'attendre que ma vie se recharge, mais on a perdu une vie. Si je serais pas mort tantôt, je l'aurais peut-être laissé monter ma vie. Mais là, non, ça me tentait pas vraiment. Fait que merci, mon cher, on va frapper ton entrejambe. J'ai pas vraiment brisé ta face encore une fois. Merci, mon cher, de me guérir. Il a fallu que tu me guérisses tantôt. Oh my god, on était dans un champ de force. J'étais chanceux de pas me faire pogner par sa queue là-dessus. Ah, fuck you. Fuck you de jouir, mon cher. Tiens, coup critique sur ta face, c'est perfect. Ah, je pense tout le temps que j'ai mon maudit talent sur mon armure de bouche-oreille. Non, je ne l'ai pas. Moi, t'as dit de schnappity-schnapp. Bon, c'est ça. Crash ton superbe. Ça, je sais pas s'il me one-shotterait. C'est comme son attaque la plus forte, non, mais son hip check aussi, il est pas mal fort. Son coup d'épaule, il est fort aussi. Mais ça, je sais pas. J'ai pas le goût d'essayer, disons. Peut-être hors caméra, fait que je risquerais pas de finir ma série comme ça. Parce que je ne fais toujours une prise, je reprendrai jamais. Je ne tricherai pas. Pourquoi je tricherais? J'en ai aucune espèce de... Oh god! Comme j'ai dit, c'est facile de passer au travers de ça. Il y a des boss qui sont bien pires que ça. Le plaisir, il est-tu aussi pire que ça là-dedans? Comme là, j'ai encore réussi. Entre ses jambes, viser toujours son entre ses jambes là, qui fait ça. Je dis ça, que c'est l'attaque, cette attaque-là. Je donne plus de conseils pour cette attaque-là, parce que quand t'as pas de bouclier, c'est cette attaque-là, son coup d'épaule qui est le plus menaçant, parce que tu peux pas la bloquer. Fait que faut que tu passes au travers automatiquement, ou entre ses jambes. Fait que c'est ça qu'il faut faire. Aussi simple que ça. Il aime ça le faire. Oh, j'ai vu qu'il bavait. Est-ce que je devrais... Ah, ben, j'en ai-tu? J'ai-tu pas gagné la bouffe? Moi, j'en ai aucune espèce. Je pense que j'en ai plus. Bon, ben, fuck that. Allons le massacrer avec ses coups gratuits. Ou peut-être que j'en ai, en fait. Non, j'en ai aucune idée. Mais on va le frapper. Comme ça. Et l'intro de Monster Hunter Trio, je l'ai mis sur mon... Ça me fait un bel écran de veille pour ma TV. En tout cas, une chance que ça calcule pas. Oh my god, j'ai été loqué là-dessus. Ça fait un écran de veille, j'imagine. J'ai ma Wii U qui est tout le temps ouverte. Imaginez quand que je vais voir le on... Oh! Quand que je vais être en ligne, puis que je vais laisser Trio en arrière-plan de même avec l'intro qui joue. Tout le monde va assis. Désolé d'avance pour ceux qui m'ont un ami sur la Wii U. Vous allez pas vraiment savoir quand que je vais être en ligne, en fin de compte. Parce que si je fais ça, ça va être chiant un petit peu pour vous autres. Mais enfin bref, mais là je peux pas aller en ligne en jouant en Trio. À moins d'apporter la TV, tout le kit là-bas. Ça vaut pas vraiment la peine. Désolé, ça ne vaut pas la peine. Malgré que je pourrais, mais ça vaut pas la peine. Je leur dis une autre fois. Il s'en va.
Comme si rien ne s'était passé, comme si on ne s'était jamais rencontré, comme si on ne s'aimait pas. Bombe de booze. Bon, eh ben oui, j'ai aimé mes bouffes maudites stupides. Je sais pas pourquoi. Je me parle de stupidité. Mais gars, on a été chercher les fournitures sans m'en rendre compte. Je fais les choses sans m'en rendre compte. Quand je commente, mon cerveau marche tout seul. Ben dans la tri, ça marche tout seul parce que ben, dans mon stand en levant, mon cerveau marche tout seul. Je me rends même plus compte de qu'est-ce que je fais parce que j'ai tellement joué à cette série-là. Ça n'a pas de bon sens. Commandeur, j'ai là-dedans, je pourrais même pas vous le dire. J'en ai ben trop. Beaucoup trop. Et là, je suis en train de me faire planter une seconde. Ah! Ah! On s'est fait massacrer. Ça vient l'air par une mouche. Aïe! Fucking! Hey, j'ai plus l'impression pendant nos coups gratuits, on va parler de l'ambiance ici. J'ai plus l'impression d'être dans la nature ici, même si techniquement c'est pas mal pareil à l'autre place. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être à cause d'un petit bois qu'on a en arrière de la maison ici. Mais c'est vraiment un petit bois, puis on voit une maison en arrière, fait que yes! Il y a un shiny à terre, c'est très tentant, mais non, je n'irai pas. Oh, fuck you, tu m'as pas pogné mon cher. Il me visait pas non plus, je pense, ben, j'aurais pu passer entre ses jambes s'il m'aurait visé. Oui, j'arrête pas de le mentionner qu'on passe entre ses jambes, ok, je vais toujours le mentionner. Bon, maintenant que c'est dit, bonjour, merci de faire ton souffle de la mort, parce que c'est facile de te donner des coups gratuits. Ben, c'est facile, tu nous donnes des coups gratuits quand on fait ça. Et my god, que j'aurais été capable de couper ta queue, mon cher, si j'avais une âme qui tranche les queues. En fait, on peut avec le... Ben, je le dis tout le temps. Chaque fois que je dis ça, je le mentionne avec la corde de chasse. Le coup de crosse. Le coup de crosse. On peut, avec le coup de crosse, couper des queues. Mais enfin, bref. Mais j'ai déjà KO'é un monstre avec le bouclier de la lance. Mais c'était parce que je jouais avec d'autres personnes. Puis j'ai volé le KO du hammer. Comme ça, j'ai tout eu le succès, la victoire à moi-même. Non, pas vraiment. Et on s'en fout un petit peu du succès de la victoire. Le but... Et de je ne sais trop quoi. Ah, shenanigans! What? Ça m'a pas pogné, ça. Voyons donc. Je vais te tuer, mon cher. Malgré qu'on est supposé être marié, j'ai une bague, justement, et pas dans la bonne main, mais c'est pas grave. C'est la bague du Devil Joe. My god, ma voix a craqué. Joe! Joe! Je suis la demoiselle en détresse. Viens me sauver, mon cher. Il voulait m'embrasser là-dessus. Ça l'a attiré en dehors du corps de porte, par exemple, ça a marché, non, pas vraiment, ça va... Oh non, il fait son coup de queue, nice, merci pour d'autres coups gratuits, mon chat. Je sais pas pourquoi, à chaque fois qu'on donne un coup dessus le Devil Joe, mais ça, c'est satisfaisant, ça fait comme... Ok, peut-être pas aussi intense que ça, mais hein, comme là, j'ai pogné ses griffes de pied, yes! Là, il y a trop de bleu en haut, je sais pas pourquoi quand j'utilise tout le temps la même attaque, j'ai comme l'impression, faudrait que je change d'attaque. M'en fin bref. Là, je regarde mon ordi, puis j'ai comme l'impression qu'il est en train de surchauffer, ce qui veut dire que je risque que mon son s'est désynchronisé, ce qui n'est pas bien, vraiment pas, et je ne veux pas que mon son s'est décrasé. Moi, pas capable de parler, moi, être fou. Ils viennent de creuser un trou. J'ai jamais compris comment que le Devil Joe pouvait creuser un trou de main, mais c'est pas grave. Pas grave, I guess. Oh, c'est un jeu vidéo, on peut tout accepter, n'est-ce pas? Oh oui, on peut tout accepter. Montons là et allons vers le Devil Joe pour nous faire massacrer. Je chante pas vraiment, je fais juste faire semblant. Oh my god, ça y est, yeah! Oh mon... Ben, quand on a une corne de chasse, on est supposé d'être plus dans l'humeur chantant, n'est-ce pas? Quand même le Devil Joe est dans l'humeur chantant. Yeah, j'adore comment j'ai claqué des mains. J'ai lâché ma manette juste pour ça, juste pour l'effet. Yes! Ah non! Ne bouge pas, mon cher! Sinon, ça va tout me fourrer. Ah non, t'es pas en mode aussi que tu vas tout le temps te foutre en mode rage. En fait, ça me dérange pas vraiment en mode rage, malgré que... si tu m'as reçu une autre fois... Hey, on est pas mort une autre fois, c'est vrai, pas encore! Ah, je viens de me jinxer, n'est-ce pas? Je crois que je viens de me jinxer, ce qui n'est pas good. T'es cassé, loin d'être grave. J'ose croire, on ne mourra pas. On ne mourra jamais. Oh god, mon ordi vraiment est en train de capoter. Désynchronisation, j'espère que non, je peux pas arrêter. En fait, je pourrais arrêter juste appuyer sur le piton home vu que je suis pas en ligne. Mais c'est pas grave. Oh, je veux pas gâcher tout mon rythme. Même si j'ai pas vraiment de rythme en ce moment. C'est pas grave. Bon les gars, on est bien parti pour le tuer, j'ose croire, mais je pense qu'on a un autre 10 minutes à se battre contre lui, au moins. Ou peut-être pas. Peut-être 5 minutes. Non. 5 minutes si tout va bien. 5 minutes si tout va extrêmement bien. C'est ça que je me dis. Maria, ça va très bien vu que je frappe dans le vide. Yes! Il faudrait peut-être que je fasse plus attention à mes musiques que je mets. Peut-être pas non plus. Oh! Là, j'ai un petit peu évité d'avance.
Il aurait fallu que j'attende, mais je pense que je m'aurais fait pogner quand même parce que je faisais un temps. Yeah! Tchac-tchac! Encore là, j'aurais le goût d'attendre, mais on est mort une fois! Malgré que je pourrais. Je peux être. Considérant le nombre de dommages qu'il a fait et le temps écoulé, je pense que je peux être moins prudent là. Va manger la bouffe. Ah, je pensais qu'il y allait tout de suite, mais non, il n'est pas allé manger la superbe bouffe. Merveilleuse bouffe, mon cher. Et tu voudrais-tu. Non, je pense pas qu'on va le KO, hein. Surtout que je me concentre pas dessus, c'est juste s'il met sa face devant moi, que je le frappe, ça passe justement. Maudit bnabra de schnapps. Merci, on l'a tué maintenant. Oh, god, oh, god, oh, god. Ok, ça va passer proche, mais non, je me suis pas fait pogner. Tu vois la belle bouffe bleue, mon cher? Va manger la belle bouffe. Ok, tombe à terre à la place. Mais je voulais que tu ailles manger la boule bouffe bleue. De la viande bleue. Ça m'étonne que. C'est de la viande de schtroumpf! Oh my god, on a tué un schtroumpf pour le Devil Joe. J'espère que t'es content. En fait, on a tué plusieurs schtroumpfs. Puis on a foutu leur viande de leur peau sur un bas, sur un os. C'est-tu good? Est-ce que t'aimes les schtroumpfs, Devil Joe? Non, non, t'aimes-tu les schtroumpfs? Oh, you son of a bitch! C'est pas ma question! Ma question est, es-tu les schtroumpfs? Et non, viens m'embrasser, mon cher. Alors là, je suis en train de gaspiller toutes mes méga potions à faire le stupide à parler de schtroumpfs. Oh, oh, il aime les schtroumpfs. Je pense que oui. Oh, yeah, il aime les schtroumpfs. Ça va nous donner... Ah, oh, fuck you, maudit au docteur, le schnabadi-schnapp. On va prendre notre potion, puis après ça, on va aller massacrer sa face. Et savez-vous quoi? On va le réveiller en faisant notre chanson, et je vais pouvoir la frapper avec le combo par la suite, j'ose croire. Est-ce que je suis intelligent? Oh my Jesus! Je m'attendais pas à réussir à faire ça, mais ça a bien l'air que ça a marché. Fait que, oh you son of a bitch! Gâche tout mon fun avec ta queue dans ma face! Et ne faites pas ça. Ne gâchez pas mon fun avec votre queue dans ma face, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ça n'est pas très poli non plus. Il est pas très plaisant. Non! Non! Ma VBF! Oh, les maudits nabrages et les haies. Est-ce que Kayamba était paralysé? S'est fait paralyser ou... Hey, j'ai halluciné quelque chose. Je pense que j'ai halluciné quelque chose. Tcha tcha, il est revenu à la vie. Yeah! Je serai pas tout seul contre une femme en colère. Et c'est jamais plaisant, une femme en colère. Non, non, non. Ça peut te bitch slapper dans la face. Mais là, on peut aller massacrer dans son beau ventre. Et là, il va y avoir des personnes qui vont regarder ça. Juste parce que c'est Jojo, il va y avoir des personnes qui vont regarder ça. Fait que y a pas mes vidéos normalement. Fait que, hey, vous autres, vous avez probablement déjà quitté de toute façon. Fait que, yeah, bye bye. Ou pas, j'en ai aucune espèce de... Mais c'est comme la vidéo du White Fatalist qui est extrêmement populaire. Je le savais même pas. Extrêmement populaire en termes de vues. Je sais pas si, en tout cas, le reste est autre chose. Mais je savais même pas si quelqu'un qui avait commenté dessus. Puis là, j'avais remarqué. En fait, tout le monde... C'est quelqu'un qui me l'avait fait remarquer en commentant dessus en disant qu'il y avait plusieurs vues. Mais j'ai souvent des commentaires dessus, cette vidéo-là aussi, que je réponds. Souvent les mêmes! Comment fais-tu pour enregistrer ta PS... les jeux de... la gameplay de ta PSP? Ou quelle arme utilises-tu? Ou quelle armure utilises-tu? À croire que personne ne regarde les commentaires avant de commenter, n'est-ce pas? Mais je peux croire que... Je peux ben... Aïe, trop concentré à chialer pour rien! Trop concentré à chialer pour rien! My God, mais je peux comprendre pourquoi les personnes ne regardent pas les commentaires non plus. Parce que ça tente pas de regarder plein de commentaires juste pour voir si ta question est là. Mais ça me sauverait du temps. Pas exactement. Ça me sauverait ben... Ça me sauverait 5 secondes. Pourquoi j'ai regardé dans le coffre? J'ai aucune idée. Potion secrète. Elle est tellement secrète qu'elle augmente notre vie au max. Il devrait être avec le mourir, sauf que là, on n'a plus le droit d'être imprudent. Faut être prudent. Fait que concentration extrême. Frotte. Frotte ta grosse flûte, mon cher. Et va-t'en dans la zone où le Devil Joe, je pense. J'espère qu'il partira pas de sa zone. En fait, j'aimerais ça qu'il descende plutôt. Mais non, il descendra pas. On va prendre un breuvage frais. Oh, un optomorphe. Je sais pas pourquoi j'ai dit oh, un optomorphe. Il était un petit optomorphe. Faut croire que des fois, je suis zoophile. Une fois de temps en temps. Non, non, rien plus normal, rien plus normal. Je dis n'importe quoi. Ah, parce qu'on marche, faut bien dire n'importe quoi quand on marche pour se rendre à une destination. Fait que prenons notre cool drink pour les cool, cool persons. Et fuck you, you son of a... Respirons par le nez. Eh oui, tcha-tcha, tu peux bien essayer de me massacrer, you son of a bitch, hein, pendant que je suis à terre. En fait, essayez juste de m'aider, désolé, mon chat. Bonjour, Shy Devil Jojo. Ah non, tu sais que ton... Ah, you... Ok, il était dans la même zone, sauf qu'il a sacré son camp, juste pour me dire que j'avais raison, mais pas raison en même temps. Je te hais, je te hais.
Oh, il est en arrière. Ok. Oh, j'ai eu peur pendant un instant. Pourquoi t'as pas crié et t'as essayé de m'agresser tout de suite, mon salaud? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Pourquoi il essaie de... Pourquoi le gang de Rulagi essaye de pas me massacrer? Je suis juste un chasseur qui essaie de tuer celui qui veut vous tuer. Fait que je suis de votre bord, non? Les ennemis de mes ennemis sont mes alliés. Hein? Hein? Fait que vous êtes les ennemis du Devil Joe, fait que vous êtes mes alliés à Egesh. Non, eux autres, ils pensent pas de la même façon, mais on les voit plus. Ils sont plus là. Il est parti dans son coin. Non, il s'en vient encore. C'est moi qui vise. Mais malgré que je suis l'ennemi du Devil Joe et le Rogi, fait qu'il est allié avec le Devil Joe dans le fond, c'est ça. Il a fait l'exactement à Yibouti, queue de schnapps. Bah ben, tu mérites de mourir, mon cher Rogi. Mais pas de suite, parce que je risque de me faire tuer si je fais ça. Fait que, j'ai dit qu'il fallait être plus prudent. Soyons plus prudents. Hein, nous faisons massacre plus que normalement. Yes. Et ça, regarde, cha-cha. Un truc comme, ouh, yeah, t'es sexy, toi. Quand il fait ça, ça n'a pas de bon sens. Peut-être pour ça que j'y ai chanté une superbe musique d'amour. Musique d'amour qui est... Ah oui, c'est une musique d'amour. You're the inspiration, n'est-ce pas? Et je la mentionne tout le temps, cette vidéo-là, quasiment à chaque fois que je fais le Double Jojo. Mais elle n'est pas publique. Je l'ai-tu mis public au fait, cette vidéo-là? Je le sais pas, j'en ai aucune idée. C'est une genre de vidéo par rapport, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis public. C'était juste pour montrer à quelques personnes. Ma fin, bref. You're the meaning in my life. You're the inspiration. Oh, fallait que tu tombes en... que je fais ça. Non, je la rechanterai pas au complet, jamais. Sinon, on est parti pour me faire dire... Pourquoi t'as chanté, mon cher? Oh, en fait, le Rugged est avec nous, puis Kayamba, il veut le tuer. Kayamba l'a tué. L'a-tu tué? J'ai pas remarqué. On voit rien à cause que... Ah oui, il l'a tué. À cause de ta grosse... queue, mon cher. Tu caches tout. Tu devrais être à veille de ramper. Est-ce que tu rampes? Oh oui, rampe! Yeah! Va-t'en, mon cher. Et on ne capture pas parce qu'on va le tuer jusqu'au bout. Et je penserais pas mourir stupidement malgré que... Non, on va jouer safe. On va jouer safe. Et je ne faisais pas le stupide, OK? Maintenant que j'ai dit ça, la première chose que je vais faire, c'est faire le stupide, probablement. Fait que fuck you. Fuck you, Rogi. Il méritait juste un coup de pied dans la face, OK? Et tout, qu'est-ce qu'il méritait? Le salaud. Ah, ça me fout du poison dans la face! J'aime pas ça. On est bien parti pour une longue vidéo. 5, 10, 15, 20, 25. Ah, news! On est... Oh, il dort! Un gros coup sur la face. Ce serait une bonne chose à faire, un gros coup sur la face. Il y a des bulles qui sortent de sa face. Et boum! Tiens! Est-ce que je t'ai brisé? Est-ce que je t'ai brisé? Je suis pas capable de parler. Qu'est-ce que je veux dire, c'est KOA. Mais je suis comme obsédé avec le KOA. Je trouve que j'utilise une arme de même. Et il faudrait te mettre une belle graphine dans face, mon cher. Parce qu'il te manque une graphine. Peut-être que je vais avoir des bons items si je te mets une graphine dans face. Ou peut-être que je vais absolument rien avoir, comme d'habitude. Parce que vous êtes pas coopératif. Vraiment pas. Oh, merci, mon cher, de me guérir. C'était tellement au bon moment à part de tout ça. Yes. Mais pauvre toi, Devil Joe, t'as des petites mains. Des pauvres petites mains. Tu peux même pas te faire plaisir avec ces mains-là. Fait que tu dois te frotter à quelque part. Mais enfin, bref! Passons au travers de... Ok, never mind. On s'est fait passer dessus par ça. Oh, merci, Kayamba, de me donner une chance de m'enfuir comme un stupide. Ah! Ok, on s'est enfui comme un stupide. Ça a très bien marché. Et on devrait être correct, même si on est en manque de potions et de méga potions. On n'est pas vraiment en manque. Mais on arrive proche d'être en manque. Mega Juice! J'ai un manque de Mega Juice! J'utilise pas assez de Mega Juice! Pourtant j'ai plein d'extra sprint et plein de steak à point! Oh my god! Ok, je suis en train de virer fou en pensant à mes superbes Mega Juice! Pas extra sprint! Parce que les extra sprint, je me demande c'est quoi justement les extra sprint! Parce que ça sort d'un Royal Ludruff! Et j'aime mieux pas y penser, disons! Disons, on va arrêter d'y penser tout de suite! N'est-ce pas? Réponse est oui. Bon, fait, continue de faire ça, mon cher. Et nous autres, on va essayer de te donner un coup de temps en temps pour t'achever. On n'est pas pressé, il nous reste un masse de temps. Oh, on a mis une graphique dans la face. Yes! KO? Non, pas de KO. Oh. On va continuer de frapper ses superbes pattes et on va augmenter notre attaque. Peut-être que ça va faire durer de la quête 2 secondes de moins parce qu'on est rendu à la fin. Ça n'a plus vraiment une grosse importance d'avoir un petit peu plus d'attaque. Malgré que ça a toujours une importance d'avoir plus d'attaque, n'est-ce pas? Et pourquoi tu t'en vas te promener dans le feu? J'haïs ça quand tu t'en vas te promener dans le feu, mon salaud! J'adore ça, en fait. Mais t'as des défauts, mon cher Devil Joe. Mais je vis avec. C'est pour ça qu'on est mari et femme.
T'aimes ça te promener dans la lave? J'aime pas ça quand tu fais ça, mais c'est pas grave. Je t'accepte comme tu es, mon cher, ma chère. J'ai jamais découvert si t'étais un mâle ou une femelle encore. Jamais. Peut-être que t'es les deux. Peut-être que t'as pas de... Peut-être que tu te reproduis avec toi-même. Aïe, non! Mais t'aimes ça me donner des coups de cul dans la face, fait que... Hein? Hein? Fait que, on va pas supposer. On va arrêter ça. Oh my god, je bois une potion dans le feu, la lave! Tu vois, c'est pas plaisant marcher dans la lave, mon cher Devil Joe. Tu devrais plus jamais faire ça. Jamais. Jamais. Mais là, tu t'en vas direct dedans et tu t'en vas en code d'habit. C'est parce que j'ai dit que j'aimais pas ça? T'essayes de me prouver un point? T'essayes de me prouver que j'ai des défauts moi aussi? Je sais, j'ai des défauts, mon cher. Sors de ce corps, sinon je regarde le décor. Ouh, ça marchait. Mais ça marchait pas vraiment en même temps. Ça va-tu sortir de garocher des roches, god d'habit? Ouh, quelle belle roche avec plein de lave dessus. Nice, pas. Kayamba s'en vient ici, tout joyeux. Yeah! Puis, j'étais sûr qu'elle allait recevoir dans la face, mais il l'a pas reçu. Tiens, fuck you. Tu mérites un coup de pied à place. Yeah! Enfin, il est sorti de la lave! Et voilà pourquoi j'aime pas ton défaut. Parce que notre relation de couple entre moi et le Devil Joe, c'est une relation d'amour et haine. Je le tue une fois de temps en temps, il me tue une fois de temps en temps. Tu sais, ça arrive! Ça arrive! Une chance qu'on peut revenir à la vie quand qu'on veut. Parce que sinon, ça n'aurait pas duré longtemps notre affaire, puis un de nous deux serait en prison. Probablement le Joe. Il serait dans une araignée en ce moment, en train de se faire tuer. Probablement. Il serait mort. Puis il pourrait pas se cloner non plus, puis avoir deux Devil Joe en araignée, non. Oh, il est mort, yeah! Ah, merci, parce que je suis en train d'inventer des histoires étranges. Même moi, j'étais en train de vouloir m'assommer la tête sur le mur tellement c'était stupide. Ma baby F, dépassons! Dans son autre jambe, toujours. Écaille dans son autre jambe. Ok, arrête de mentionner son autre jambe. Non, jamais son autre jambe. Écaille, donne-moi quelque chose de mieux que ça, s'il te plaît. J'aime. Non, cuir. Mais, une autre chance de peut-être avoir quelque chose de bon. Griffe. Ah, j'en avais pas tant que ça de griffe, il me semble, parce que je les ai utilisés pour faire mes superbes talismans de schnappadi-schnapp. Ok, yeah, ici, on massacre la face, mon cher. Sais-tu quoi? Même si t'es mort, on va te donner le feeling que t'as gagné. Ok? Tiens, mange-moi. Tiens, on est deux à avoir perdu la bataille maintenant, parce que je l'aime tellement. Tcha-tcha, sac ton camp de là. Salaud Kayamba, non, viens pas là non plus. Et le masque de Rathalos, la majorité... Parce que à chaque fois qu'on voit le masque de Rathalos de Kayamba, je me fais poser la question. On l'a vers la fin des quêtes du village I-Rank, ok? Continuez de compléter les quêtes, vous allez débloquer le trois quarts des masques. Aussi simple que ça. Le reste est soit du Capitaine Dargazi, ou un masque est à la ferme, et deux masques et des quêtes event. Point! C'est loin d'être complexe de débloquer les masques. Ok? Ne vous compliquez pas la vie, c'est juste ce que je veux dire. Sauvegarder des données supplémentaires. Ok, c'est un petit peu jouissement pour absolument aucune raison. Et on doit entendre la chaise craquer. Peut-être pas. Là, on va l'entendre si je la gosse. Merci pour la griffe, mon cher. Je suis rendu avec 5. C'est qui est good, mais je pense qu'on va arriver à la fin de la vidéo. Fait que... merci de voir... Non, m'interromps pas. On va aller acheter des choses, de l'herbe. Enfin bref. Je pense qu'on va finir la vidéo tout de suite. Sinon, on finira jamais. Merci de voir regarder la vidéo. Et bye bye! On va recommencer normalement avec la liste. Essayons de survivre la prochaine fois. Ok, bye bye!